Et je vous salue dans le nom de Jésus. C'est toujours un privilège de revenir vraiment au pays de la Teranga pour revivre également un peu cette Teranga-là. Et quand je suis arrivé, déjà je suis arrivé avec un changement de climat. Chez nous maintenant, nous sommes en période d'hivernage. Il pleut beaucoup. Donc ceux qui sont des bons cultivateurs, je pourrais les inviter pour venir nous aider à cultiver. Recevez les salutations de nos frères et sœurs du Malawi, et principalement de ma belle épouse et de ma fille qui est aussi toujours belle comme son père. Je vous vois aussi ce matin toujours beau et toujours belle. Vraiment. Je voudrais remercier mon pasteur, mon président, pour ce privilège qu'il me donne. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas ce matin de me tenir là où je me suis, mais c'est par grâce. Et c'est toujours un mentor que je respecte beaucoup. Je sais d'où nous venons. Le chemin est tellement long que je ne pourrais pas raconter d'où nous venons. Mais c'est par grâce que nous sommes là ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué et lirons le chapitre 1 du livre de Josué. Josué chapitre 1, et je lis. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Car il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci, du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous. Et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse, veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi.
comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Nous t'exaltons ce matin, notre Dieu. Nous te bénissons de ce que notre trajectoire, tu en es le directeur. Tu es celui qui nous conduit, ô notre Dieu, notre roi, dans notre destinée. Et nous voulons compter sur ton secours encore ce matin. Dirige-nous, conduis-nous, car nous ne savons pas où aller, comme nous l'avons chanté ce matin. Mais avec toi, nous arriverons au bon port et nous allons te glorifier. Nous allons t'élever ce matin. Parle au cœur de chacun d'entre nous ce matin. Édifie, encourage, réveille même l'homme fort qui dort dans la vie de chacun d'entre nous. Rends-nous courageux ce matin pour cette marche dans le nom de Jésus. Amen. Mon pasteur a dit ce matin que ce dimanche ne se répétera plus dans l'histoire. Nous sommes en train de tourner la page de ce dimanche. Et pour cette raison, je suis venu ce matin comme quelqu'un qui vient encourager son frère ou sa sœur en te disant, lève le camp. Lève le camp et marche vers ton établissement divin. Nous campons sur plusieurs positions. Il y a parmi nous ce matin ceux qui sont dans le camp de la peur. Il y a parmi nous ceux qui sont encore dans le camp du doute, dans le camp de l'hésitation. Je viens ce matin te dire, lève le camp et bouge. Lève le camp et déplace-toi. Va vers ton établissement divin. Il est encore temps de le faire. Il est encore temps de le faire. Et tu peux le faire. Ce matin, je t'apporte ce message d'encouragement. Comme nous venons vraiment à la fin de l'année 2019, qui a été déclarée comme l'année de ton établissement divin, il y a parmi nous certainement ce matin des gens qui célèbrent déjà leur victoire, des gens qui célèbrent leur succès, des gens qui célèbrent parce qu'ils ont vu la main de Dieu agir dans leur vie durant toute cette année 2019. Ils ont un chant de reconnaissance. Ils ont un chant d'action de grâce pour celui qui est capable de faire des choses extraordinaires. Il y en a beaucoup parmi nous ce matin qui se souviennent de là où le Seigneur les a enlevés, de rien jusqu'à quelqu'un. Et ils sont en train de le célébrer. Je vous encourage à chanter ce chant. Faites-le entendre à tous ceux qui veulent, ou même à tous ceux qui ne veulent pas l'entendre, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dans ta vie. Qu'ils sachent que tu n'es pas celui que tu étais hier, que celui que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a agi dans ta vie. Quelqu'un est passé par là. C'est pourquoi tu as un chant nouveau. Chante-le, que tout le monde t'entende. Qu'ils sachent que celui qui porte sa semence en pleurant est celui qui revient aujourd'hui avec un chant d'allégresse. Fais-le savoir à tout le monde. C'est de ton droit de le chanter. Parce que tu connais la bataille que tu as affrontée. Tu connais le désert que tu as traversé tout dans le passé. Cette année, c'est ton année d'établissement divin. C'est ton année de chant. Alors chante encore. Même quand les gens te diront, ça n'est assez, chante encore. Parce que toi, tu sais pourquoi tu chantes. Ne laisse pas les gens t'arrêter. Mais il y en a également parmi nous ce matin, ceux qui sont encore dans le camp du doute, ceux qui sont dans le camp de l'hésitation, ceux qui sont encore dans le champ, dans le camp de la peur d'avancer, parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Je suis venu ce matin pour cela. Je voudrais m'adresser à toi ce matin et de te dire que tout est possible avec celui qui croit en Dieu. Tout est possible si tu essayes avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sauterons sur une troupe en armes. Avec Dieu, nous franchirons les murailles. Et nous pouvons arriver là où les autres sont arrivés. Les autres ne sont pas mieux que toi.
Ils avaient juste le courage d'essayer, de faire quelque chose, de faire un pas à l'avant. Et ils sont arrivés là où ils sont. Voilà pourquoi je viens ce matin aussi t'encourager pour te dire, fais un pas en avant. Lève le camp et va en avant. Avance, avance car tu peux arriver. Tu peux arriver. D'autres parmi nous ne se rendaient même pas compte que nous sommes au 29 décembre jusqu'à ce que le diacre le mentionne ici. Tellement qu'ils étaient préoccupés par d'autres choses. Ils étaient occupés à observer la réussite des autres, le succès des autres, qu'ils ne se rendent même pas compte que nous sommes le 29 décembre. Nous sommes proches de la fin de l'année 2019. Ils dorment encore. Ils sont encore dans le doute, dans la peur. Je viens te réveiller ce matin. Te dire, ouvre tes yeux. Réveille-toi. Nous sommes proches de la fin. Laisse les autres célébrer leur victoire. Cherche la tienne. Cherche ton succès. Cherche à entrer dans ta terre de promesse ce matin. Dans ta terre de promesse, tu peux y arriver. Et célébrer aussi bien que les autres. Ils sont tellement surpris, comme le serviteur d'Élisée Gehazi, qui un matin se leva et vit une troupe, des troupes de chars, des troupes d'armes qui entouraient la ville et qui avaient tellement peur au point de crier, « Ah, mon Seigneur, c'est fini pour nous. Nous ferons mieux de nous soumettre à eux. Nous ferons mieux de nous rendre prisonniers à eux. » Et certainement Élisée, essayant de le calmer, de le raisonner, il voulait discuter avec son maître. Ah, Seigneur, regarde tous ces chars. Regarde toutes ces troupes. Qu'est-ce que nous avons pour nous défendre? Comment ferons-nous, Seigneur? Élisée lui dit, calme-toi. Calme-toi, car ceux qui sont avec nous sont aussi en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Calme-toi. Ceux qui sont avec nous. Mais le jeune homme ne pouvait pas comprendre. Il continuait à discuter avec Élisée. Je ne crois pas. Nous avions eu des victoires dans le passé. Nous avons eu du succès dans le passé. Mais aujourd'hui, ce sera la fin de nos jours. Nous ne pouvons rien faire. La manière dont ils sont positionnés, c'est pour finir avec nous. Je viens te dire ce matin que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Cette situation va contribuer à glorifier le nom du Seigneur dans ta vie. Élisée a dû faire quelque chose. Élisée est un bon aîné dans la foi. Élisée est un bon mentor dans la foi. Il ne lui dit pas seulement ceux qui sont avec nous sont plus grands, mais il va lui dire, je vais te faire la preuve qu'il y a des gens avec nous. Il va prier et dire, Seigneur, ouvre seulement les yeux de ce jeune homme. Lorsque le Seigneur a agi, le jeune homme a ouvert ses yeux. Il a vu des anges à leur côté. Et il ne pouvait plus rien dire. Sa foi venait d'être ravivée. Son courage venait d'être affecté encore, augmenté. Et il pouvait enfin croire. Le miracle s'est passé. Je suis venu te dire ce matin que la situation de ta peur, ton camp dans lequel tu te trouves, va te donner raison de glorifier ton Dieu. Je viens te dire ce matin que même dans la fournaise où tu te trouves, la fin n'est pas encore déclarée. Souviens-toi de Daniel et de ses compagnons. Même dans la fournaise, ils ont cru que le salut viendra de quelque part. Ils étaient déjà jetés dans la fournaise, mais ils continuaient à louer Dieu. En disant, tu ne viens jamais en retard. Tu viens toujours au même moment. Et même dans la fournaise, nous vivrons, nous te glorifierons. Ils ont glorifié le Seigneur dans la fournaise. Au point où même celui qui a ordonné de leur jeter dedans pouvait aussi rendre gloire à Dieu. Tu glorifieras le Seigneur ensemble avec ceux qui veulent ton échec. Ils reviendront glorifier le Seigneur avec toi. Laisse les autres jubiler, laisse les autres jubiler. Parce que ton tour viendra, tu vas jubiler aussi. Tu vas jubiler. Je viens dire à quelqu'un ce matin que comme Anne, laisse les autres te juger. Laisse-les te mépriser pendant que tu pleures, pendant que tu cherches Dieu. Ne recule pas.
pleure s'il faut pleurer. Laisse les larmes couler s'il faut couler. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Parce que c'est celui qui t'entend. Lorsque Élie disait à Anne, fais passer ton ivresse, elle disait, non. Tu me compares. Non. Ne me juge pas pour mes larmes. Ne me juge pas à cause de mon état de tristesse. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je m'adresse à celui qui est capable de changer ma situation. Oh pasteur, comment tu peux me dire cela? Toi qui m'encourages à obéir Dieu, alors que je cherche Dieu, tu me méprises, tu me juges. Pasteur, tu ne me connais pas depuis toutes les années que je suis ton fidèle. Pardonne-moi ma fille, pardonne-moi, que Dieu t'entende. Voilà ce que Élie lui dit, que Dieu t'entende, que Dieu comble ton cœur, que Dieu réponde à ta requête. Lorsqu'elle est rentrée, cela s'est passé. Plus tard, elle est revenue à la maison de Dieu, lui dit, pasteur, célébrons ensemble. Tu te rappelles de ce jour-là, pasteur, lorsque tu ne m'avais pas reconnu, parce que tu ne m'avais jamais vu de cette manière, et tu pensais que j'avais perdu la foi. Non, je n'avais pas perdu la foi. Voilà le résultat de la situation dans laquelle j'étais. Cet enfant, d'ailleurs je ramène cet enfant, pasteur, qu'il soit à tes côtés pour apprendre à servir notre Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tu reviendras certainement. Après les pleurs, le temps de la joie. Après la pluie, c'est le beau temps. Tu vas chanter. Tu vas glorifier ton Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin que si l'arbitre est capable de donner une prolongation à deux équipes, ton Dieu est capable de te donner une prolongation. Ce n'est que le 29 décembre. Ce n'est que le 29 décembre. Il y a encore le 30. Il y a encore le 31. Même jusqu'au 31, ton Dieu est capable de te donner une prolongation. Tu pourras te lever même le 31 et dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est mon temps de glorifier le Seigneur. C'est mon temps de glorifier le Seigneur. Ah, je me rappelle, mon dernier jour à Bethel, avant de quitter pour aller en champ de mission, j'ai déclaré, les années de ma sécheresse sont terminées. Les années de ma sécheresse sont terminées. Je vais glorifier le Seigneur. Le diable m'a fait beaucoup souffrir, mais mon temps est arrivé. Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Il va te donner le courage de vaincre. Alors que je m'adresse à quelqu'un ce matin, je te parle comme Caleb, je te parle comme Josué, qui après avoir visité la terre promise, sont revenus alors que les autres voulaient les décourager. Un leur disait, calmez-vous, vous pouvez y arriver, vous pouvez vaincre, nous y sommes arrivés. Oui, il y a des géants, il y a des difficultés, mais vous pouvez vaincre, vous pouvez y arriver. Je sais de quoi je parle. Je sais d'où je viens. Et je sais qui je suis en Christ aujourd'hui. Je viens te dire comme Caleb, juste lève le camp. Avance. C'est possible. C'est possible d'arriver. Et l'histoire que nous avons lue ce matin nous parle exactement de la conquête de la terre promise. Cela, cette histoire est venue après que tous ceux-là qui avaient désobéi à Dieu étaient morts dans le désert. Leurs seaux éparpillés partout dans le désert parce qu'ils n'avaient pas voulu obéir à ce que Dieu leur avait dit. Et maintenant, une nouvelle génération arrive avec Josué ou même sous le leadership de Josué à qui Dieu disait, maintenant, lève-toi et conduis ce peuple dans la terre promise. C'est avec toi que ce peuple pourra hériter de ce que j'ai promis à leur père. Alors qu'il y avait un obstacle au devant d'eux, ce Jourdain, qui représentait une barrière à leur accès à la promesse. Ce barrière était un camp dans lequel beaucoup d'entre eux s'étaient focalisés. Ils avaient peur. Et il y a de quoi avoir peur. Vous savez, moi, je ne savais jamais nager. Et à chaque fois que quelqu'un me disait, allons à la mer, je disais, s'il te plaît, laisse-moi aller me doucher à la maison parce qu'il y a assez de l'eau là-bas. Pour moi, plonger dans la mer, c'est mourir.
Il n'y a pas comment s'en sortir. Et quand je vois comment les gens nagent, je me demande comment est-ce qu'ils font pour y parvenir. Jusqu'au mois passé de novembre, j'étais encore au Brésil, je devais rentrer au Malawi. Et voilà ma douce épouse qui m'appelle au téléphone. Mon bien, qu'est-ce qui se passe? Je nous suis inscrit pour commencer un cours de natation. Je dis voilà. Elle veut être veuve. Certainement ça va arriver. Ah bon, oui. Par amour, j'ai dit d'accord, quand je viendrai, on verra. Alors, à mon retour, nous allons commencer la première leçon ce jour-là. Et même quand le moniteur me demandait ça va, je disais non. Je suis venu ici par amour, mais je ne suis pas prêt. Mais pourquoi je dis? Parce que pour moi, tout ce qui est nager là, ce n'est que du jeu. Je ne vois rien de sérieux. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Il me dit non, ça va aller, essaye seulement aujourd'hui. Je vais jouer seulement dedans parce que je n'ai pas des ailes pour m'en sortir. Des nageoires, je n'en ai pas. Mais après 2 jours, j'ai compris qu'il fallait quelqu'un pour t'apprendre à nager. Et j'ai commencé le mois passé. J'espère que je vais aller loin. Parce que s'il m'arrive quelque chose un jour, je ne vais plus jamais retourner dans la piscine. Alors, à regarder seulement le Jourdain, cela n'inspirait pas confiance à ces gens-là qui devaient traverser le Jourdain. Mais le Jourdain représentait aussi l'image de la séparation entre le passé difficile, le passé désastreux, le passé des larmes et le futur pour le meilleur, le futur pour la joie, le futur enfin pour le repos que notre Dieu nous donne. Il fallait du courage pour traverser ce Jourdain et aller savourer ce que le Seigneur voulait pour ce peuple. C'était une promesse de 430 ans, puisque cela a commencé avec leurs arrière-grands-parents, qu'un jour ils allaient revenir et aller fouler le sol de la promesse. Il faut la traverser. Il faut tourner la page du passé. Ce matin, j'aimerais que nous considérions 3 points importants pour lever le camp et marcher vers son établissement divin. Premièrement, reconnais. Reconnais qu'il existe de réelles barrières contre ton établissement divin. Il y en a des barrières. Il y en a des barrières. Pour que nous puissions arriver quelque part, il nous faut traverser quelque part, quelque chose. Il nous faut lutter. Il nous faut chercher à vaincre pour pouvoir témoigner. Lorsque quelqu'un donne un témoignage à l'église, c'est parce qu'il a vécu une situation qui le fait enfin venir se tenir et dire « J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais dans telle et telle situation. » Mais avec Dieu, je suis arrivé là où je suis. Alors reconnais quelles sont les barrières à ton établissement divin. Bats-toi pour arriver. Ne les laisse pas là. Parce que les laisser se dresser, c'est ne pas aussi te permettre de passer. Et pour Israël, lorsque le peuple voyait exactement le danger flotter sous le Jourdain, d'autres n'avaient même plus le courage. Nous nous souvenons de la première traversée de la mer Rouge. Lorsqu'ils sont arrivés et regardaient derrière, les Égyptiens s'approchaient. Même à 1 kilomètre. D'autres tremblaient comme pas possible. Vous savez, j'ai vu un miracle cette année en 2019. J'ai vu un miracle. Je pense que c'était l'année passée au Sénégal où on parlait des pitbulls. N'est-ce pas? Des bulldogs.
ici au Sénégal l'année passée ou cette année, où ils ont donné même un ordre de les abattre, tout ça. Je me levais un jour à 5 heures du matin pour aller faire du sport avec un jeune pasteur qui habite avec moi. Nous avons couru et quand nous sommes arrivés dans une rue, nous avons vu beaucoup de personnes, chacun debout tranquillement là où il était. Et sans savoir, nous continuons à courir et à quelques 150 mètres, nous avons vu 3 bulldogs devant le portail d'une maison, mais dans la rue. Noir, très joli, mais pas gentil. Je disais au pasteur, peut-être que c'est notre jour pour aller au ciel. Mais calme-toi, nous allons passer sans réaction, parce que les bulldogs, généralement, n'aiment pas. Quand tu réagis, c'est comme si tu les attaques et ils vont réagir. On marchait, deux autres dames nous suivaient. Tu sais, vous rendez la situation plus compliquée. Deux venaient déjà. Aïe, mon Dieu. Je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé. Mais je disais, pasteur, prie. Je parlais en langue et lui aussi priait. Il voulait me prendre par la main, je dis non, ne fais pas ça. Marchons tranquillement. Et ces bulldogs nous accompagnent à peine 300 mètres. Seigneur, renvoie-les d'où ils viennent. Renvoie-les d'où ils viennent. À qui ma fille va ressembler si je meurs? Elle me ressemble tellement. Renvoie-les d'où ils viennent. À peine 300 mètres, ils sont rentrés dans une autre maison. Et là, je ne sais pas où nous étions. Je pense que le Seigneur a pourvu des ailes. Parce que quand nous avons tourné les têtes, on n'a pas vu les bulldogs, on ne sait même pas où nous étions. Quand j'arrive à la maison, j'expliquais à ma femme ce qui s'est passé. Elle m'a dit, mais l'histoire n'est pas finie. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, est-ce que tu es arrivé de la manière dont tu es parti? Tes habits ne sont-ils pas mouillés? J'ai dit, non, grâce à Dieu, j'ai su me retenir. Donc, vous pouvez imaginer ici Israël, l'Égypte arrivant pour les faire retourner dans la vie qu'ils pensaient avoir échappé. Ils tremblaient comme ce n'est pas possible. Ils avaient peur. J'ai entendu ce pasteur un jour parler d'un voleur qui entrait dans une maison et voilà, il y avait la panique. La femme dit, espérait que l'homme allait sortir pour faire quelque chose. Et dès qu'il est sorti, avant de sortir de sa chambre, il a parlé avec un ton autoritaire. « Si je te trouve là, tu vas voir. » Et le voleur, écoutant le ton de cette personne parlant, il pensait que c'était quelqu'un de plus grand que lui. Il a pris la tangente. Mais il a dit que dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai été aux toilettes 10 fois. Tellement que j'avais peur avant de voir même la personne que je venais de renvoyer. Notre Dieu agit de la même manière. Lorsque nous sommes en danger, nous ne pouvons pas le voir agir, mais il est à l'œuvre. Et il disait à Josué, en le répétant plusieurs fois, « Aie courage, fortifie-toi, ne t'ai-je pas dit ?» Tout ce que le Seigneur veut de nous, c'est de l'obéissance pour arriver à notre destination. Pour arriver dans notre établissement divin, l'obéissance. Malgré que Moïse leur disait, calmez-vous, voyez-vous ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gardez seulement le silence et l'Éternel agira pour vous. Nous les voyons et tu nous dis de nous calmer, mais les voilà. Mais le Seigneur te dit toujours, avance seulement, obéis et laisse-moi faire. Ton passé peut constituer également une barrière. Lorsque tu te rappelles d'où tu viens, lorsque tu te rappelles tes racines, ta famille, ta société, te souvenant de toutes ces choses négatives, cela constitue une barrière insurmontable au point parfois tu te dis, ah, nous ne sommes pas faits pour cela. Vous vous rappelez Gédéon? Je viens d'une famille pauvre.
Le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. Je voudrais dire à quelqu'un parmi nous ce matin, arrête le doute. Va seulement avec cette petite force que tu as. Parce que le Seigneur est capable d'augmenter cette force. Mais seulement il le fera quand tu t'engageras à le faire. Et le reste, il l'accomplira lui-même. Traverser le Jourdain pour atteindre l'autre côté demande exactement de l'obéissance. Reconnais également que quelle que soit la taille du problème, le miracle que le Seigneur va pouvoir est plus grand que ce problème. Le Seigneur viendra au moment exact pour agir et tu verras ta victoire. Quel que soit le défi, la victoire est possible avec Dieu. Quelque chose d'impressionnant qui s'est passé ici. La Bible dit qu'au moment où les prêtres ont fait un pas pour mettre leurs pieds dans l'eau en se tenant debout ferme, le Jourdain s'est divisé en deux, en eau monceau. Ce que je veux attirer notre attention ici est que même le Jourdain, qui constituait un obstacle à la traversée du peuple d'Israël, commençait à magnifier la puissance de Dieu. Le Jourdain même était en train de glorifier la puissance de Dieu. Dieu venait de faire quelque chose ici dont personne ne s'attendait à voir. Divisé, arrêté, le Jourdain à sec pour permettre à son peuple de partir. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton problème va te donner raison et va t'aider même à glorifier le nom de ton Dieu, celui en qui tu crois. Parce que lorsque tu vas passer, tu vas étonner tout le monde. Ce sera une surprise même pour ton problème de te voir réussir. Et ton problème va t'aider à glorifier ton Dieu. Alors, aie aussi bon courage. Avance, fortifie-toi. Observe la parole de Dieu nuit et jour, car c'est alors que tu auras du succès. Aie courage de lever le camp de ta situation présente. Deuxièmement, lève-le, ne le garde pas, parce que ce serait te condamner à vie. Lève ce camp, aie courage, soulève-le. Mets-le entre les mains du Seigneur, comme la chorale l'a chanté ce matin. Je ne sais pas où aller, mais dirige-moi. Laisse le Seigneur diriger cela. Fais ta part et laisse-le accomplir le reste. Lever le camp implique un changement de mentalité. Change ta mentalité de « je ne peux pas ». Non, c'est déjà trop tard. Essaye maintenant de faire quelque chose pour arriver là où tu dois arriver. Change ta mentalité. Ne sois pas comme ce malade à la piscine de Bethesda qui pendant 38 ans a finalement accepté sa situation pour dire après tout, je n'ai plus où aller. Après tout, je ne sais plus si mes parents, si ma famille existe encore. Tout ce que j'ai maintenant, c'est ici. J'ai passé toute ma vie ici. Mon monde, c'est ici. Je n'attends plus de miracles. Mais je veux simplement rester ici. Parce que si je quitte ici, je ne sais plus où aller. Même si ce jour-là, celui qui a changé l'histoire de l'humanité est apparu, Jésus. Il devait aller à Jérusalem pour une fête, mais est venu d'abord à la piscine de Bethesda. Voyant cet homme, connaissant sa mentalité, connaissant son histoire, son passé, ce qu'il vit, il est venu directement à lui pour lui poser une question que chacun d'entre nous ce matin aurait voulu que le Seigneur te pose. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et le gars, sans répondre par oui ou non,
à essayer de justifier, de décrire sa situation. C'est le camp que j'ai. Je demeure ici, sous ce camp, dans ce camp-là. Voilà 38 ans que je suis là. Je n'ai même plus personne. Mais celui qui vient de te parler est quelqu'un de différent des autres. C'est quelqu'un de nouveau qui est venu pour changer ton histoire. Réponds par oui ou non. Je connais déjà ton passé. Je connais ton vécu. Je suis l'omniscient. Je suis l'omniprésent. Je suis l'omnipotent. Celui qui te parle maintenant. Veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, laisse tomber. Je pense que c'est déjà trop tard. 38 ans que je suis ici. À chaque fois que l'ange descendait, avant même que je ne bouge, quelqu'un y allait avant moi. C'est bon. À Bethesda, c'était tout sauf la miséricorde. À Bethesda, on trouvait des cas finaux. Des cas dont les médecins ont déclaré ne plus être en mesure de faire quelque chose. C'était peut-être le terminus de tous ceux qui souffraient de quelque chose. Laisse-moi comme ça, c'est bon. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, prends ton camp et déplace-toi. Marche, parce qu'aujourd'hui c'est la fin de cette situation-là. Il s'est levé. Le camp qui le maintenait en prison, il venait de le soulever lui-même pour se déplacer avec. C'était une nouvelle ère. C'était une nouvelle époque. Un temps de louange, un temps d'action de grâce, un temps de jubilé, un temps de célébration. Et lorsqu'il est entré dans la ville, ceux qui le connaissaient commençaient à lui pointer du doigt, se posant des questions. N'est-ce pas? Pourquoi marches-tu aujourd'hui le jour du sabbat? Il ne t'est pas permis de prendre ton lit pour marcher. Il dit en tout cas, je marche. Retourne te coucher. Plus jamais, je suis libéré. Après 38 ans, assis à la même place, celui qui m'a dit de marcher, celui qui est venu à moi, m'a simplement dit, prends ton lit et marche. Et je l'obéis. Voilà pourquoi je marche aujourd'hui comme vous êtes en train de marcher. Je veux désormais entrer dans la maison de l'Éternel pour le louer, comme vous êtes en train de le faire. Et vous voulez que je retourne? Je ne retournerai pas. Qui est celui qui t'a dit de prendre ton lit pour marcher? Il ne le connaissait même pas. Cela ne l'intéressait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était de changer de camp, de se déplacer. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tu es à l'endroit où il faut. Et le Seigneur veut te dire ce matin, change ta mentalité de « je ne peux pas toujours ». Tu peux faire quelque chose. Parce que ce matin, il te parle pour te dire, change ta mentalité. Lève ton camp pour mettre fin à ta situation. Et pouvoir également chanter, louer le Seigneur. Quand nous sommes arrivés au Malawi en 2012, nous ne parlions pas anglais. Et j'ai dit à ma femme, je veux aller étudier à l'Institut biblique. Mais comment ça? Je dis, je vais aller étudier. Avec quel anglais? Je dis, je vais partir. Je suis parti m'inscrire en licence. Et pendant 3 mois, chaque fois que j'allais à l'école, le professeur pouvait arriver et poser une question. Missionary Felix, what is this? I don't know. Pendant 3 mois, I don't know. Et voilà qu'on nous donne notre premier examen national. J'écris, quand les résultats sont sortis, les notes sont sorties. Vous savez, là-bas le système c'est on marque sur 100%. J'arrive à la maison avec un 18. Je vais appeler ma chère épouse et dire voilà, le premier résultat de mon examen est arrivé. Regarde, elle a ouvert le papier, elle me regarde et dit mon frère, laisse tomber. Reste à la maison. Je t'avais dit de ne pas partir. Honte à toi. Un étudiant en licence, 18 sur 100.
tu ne vas pas y arriver. J'ai failli me décourager. Le lendemain, je pars à l'école, j'explique à un de mes professeurs qui me dit, ne l'écoute pas. Si le Seigneur t'a parlé pour prendre cette voie, ne regarde pas en arrière. Je te donne encore quelques temps. Efforce-toi. Prends courage parce que tu vas y arriver. À cause de cette parole, je revenais travailler dur. J'étais dans la maison, mais c'est comme si j'avais oublié que j'étais marié. J'avais oublié que j'avais une fille. Tout le temps dans les livres. Étudier. Je lance ce défi à celle-là qui vient d'arriver. Qu'il n'y a pas de secret pour la réussite. Travailler. Notre ancien président le disait ici. Beaucoup même. Encore. Il faut travailler. Les mois qui ont suivi, nous sommes partis pour le deuxième examen. Je reviens à la maison déjà en train de célébrer. J'arrive, je dis à madame, regarde ce qu'il y a là. Et regarde, 75%. Est-ce qu'ils ne t'ont pas donné la note de quelqu'un? Tu me vois travailler tout le temps ici, non? C'est de là où ça vient. Et finalement, mes amis de là, qui sont nés en train de parler l'anglais, venaient tout le temps me demander, mais comment est-ce que tu as fait ce projet-là? Comment est-ce que tu as fait ces devoirs? Je dis, mon Dieu, ça c'est quoi encore? C'est moi qui devais vous demander de l'aide et maintenant à vous de me le demander. Rien n'est impossible à ceux qui croient en Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, aie courage. Aie courage. Et fais comme Martin Luther King a dit. I have a dream. J'ai un rêve qu'un jour, je vais traverser ce Jourdain et je serai de l'autre côté. J'ai un rêve qu'un jour, cette thèse, ce mémoire, qui est comme une bête noire, je vais la terrasser et je vais arriver de l'autre côté. Je vais réussir comme tous les autres et je vais célébrer. Crois en ton rêve. Travaille pour y arriver. Parce que tu vas le faire. Quand j'ai fini ma licence, j'ai dit à ma femme, je vais retourner à maîtrise. Elle a dit, maintenant tu as le courage. Et c'est elle maintenant qui me rappelait qu'il était l'heure pour aller à l'école. Là, elle ne parlait plus de mes notes. Elle ne m'a plus jamais dit, je veux voir tes notes. Et j'ai terminé le parcours encore. Tu peux y arriver également. Lève le camp. Et tu vas y arriver. Troisièmement, laissons vraiment Dieu nous conduire. Ah, c'était joli ce cœur ce matin de la chorale. Aide-moi, dirige-moi, parce que je ne sais pas où aller. Mais sois aussi obéissant pour laisser Dieu te conduire. Au chapitre 3 de Josué, il parlait au peuple de l'arche de l'alliance, de regarder, d'avoir les yeux fixés sur le moment où l'arche de l'alliance allait s'élever et suivre également ce mouvement-là. C'était une image de la présence de Dieu qui va toujours nous diriger, nous conduire vers là où nous devons partir. C'était une image de la présence de Dieu qui allait briser les barrières qui s'opposent à notre destinée. C'était une image de la présence de Dieu qui allait frayer un chemin là où tout semble ne pas avoir de passage. Notre Dieu est capable de le faire. Commandez à la mer rouge de s'ouvrir en deux et que nous puissions passer à pied sec. Mais également ordonner au Jourdain de célébrer sa grandeur, de célébrer sa puissance, de célébrer le miracle que le Seigneur opère dans notre vie. Il peut le faire encore. Il peut le faire encore ce matin. Et je crois qu'il est là. Il connaît ton souci. Il connaît ton fardeau. Il connaît tes combats. Il connaît tes limites. Il connaît tes larmes. Mais au moment où tu viens à l'église, tu chantes, mais il y a des larmes au-dedans de toi-même. Il y a un doute au-dedans de toi-même. Tu ne fais que chanter pour copier les autres, pour ne pas qu'ils pensent que voilà, tu es là, mais tu n'adores pas. C'est pourquoi tu le fais. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il voudrait que tu le fasses de tout ton cœur. Donne-lui ce qui lui revient.
et permets-lui d'agir dans ta vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut changer. Il peut écrire une nouvelle page de ton histoire pour te permettre un jour d'ouvrir ce livre et de dire à quelqu'un, regarde. Notre président des assemblées de Dieu du Malawi me disait un jour, vous savez, il est candidat à la présidence de la République. Il a gagné cette année encore les élections pour la deuxième fois et les résultats ont été confisqués. Ils lui ont refusé l'accès à la présidence. Il me disait un jour, mon fils, quand les gens me regardent aujourd'hui, ils pensent que tout a commencé aujourd'hui. Je viens de quelque part. Je viens de quelque part. J'ai encore ici tous les détails de là où le Seigneur m'a enlevé. Et je vais dire à quelqu'un que si le Seigneur est capable de le faire pour d'autres, il est capable aussi de le faire pour toi. La Bible dit que l'amour de Dieu ne tarit jamais. Sa bonté ne s'épuise pas. Parce que chaque matin, quand le soleil se lève et brille, il ne brille pas seulement sur les justes. Il brille même sur les injustes. C'est pour prouver que Dieu est un Dieu d'amour. Et son amour n'a pas de limite, n'a pas de condition. Son amour est pour tout le monde. Dieu est capable de le faire ce matin pour toi. Fais un effort seulement de lever ton camp et permets-lui de te conduire dans ton établissement divin. Sois obéissant. Je vais nous inviter à nous tenir debout sur ces paroles.